Pas d'uniforme, ni de brassard. À Cergy, comme dans plusieurs grandes villes de France, des dizaines de policiers se sont réunis de manière spontanée. Et aujourd'hui, des syndicats appellent à de nouvelles manifestations, toujours pour la même raison. Ce mouvement est né de la colère de nos collègues suite à la mise en examen d'un policier dans le 93 pour homicide volontaire, avant même que l'enquête ait commencé. Nous avons des revendications par rapport aux conditions de travail, par rapport aux effectifs, par rapport à la RGPP. Politique du chiffre, manque de considération, travail à flux tendu. Depuis deux semaines, les policiers expriment un ras-le-bol. Pour les syndicats, seul le prochain gouvernement pourra mettre fin à ce malaise. Ils réclament un Grenelle de la sécurité. Nous, ce qu'on demande, unité AGP Police, c'est l'arrêt immédiat de la RGPP, de pouvoir recruter des effectifs, de pouvoir assurer la sécurité de nos collègues au sein des missions premières vis-à-vis de la population pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et on revendique surtout aujourd'hui une vraie protection juridique pour que nos collègues, quand ils sont suspendus, ne perdent pas toutes leurs primes ou tout leur salaire. Certains espèrent notamment obtenir le principe de présomption de légitime défense, une idée reprise par Nicolas Sarkozy durant sa campagne. François Hollande, lui, s'est prononcé en faveur d'un soutien juridique de l'administration pour tout policier mis en examen.